La tendance des Carrie Bradshaw sur TikTok. Des femmes trentenaires qui cherchent l'amour et documentent leur vie sentimentale. Elles y racontent leurs dates, les comportements des hommes et l'évolution de la relation. Je trouve ça dingue, ces gens qui font ça. Alors après, ça te fait un super contenu. Moi, à l'époque où j'avais des rendez-vous, j'avais plein de rendez-vous avec des meufs, peut-être que je l'aurais fait, tu vois. Mais après, je pense que c'est des gens qui font ça, c'est des gens qui ont déjà abandonné le fait d'être en couple. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, ils se disent, de toute manière, je sais que ça va mal se passer, donc en fait, je peux le raconter, c'est pas grave. Tu vois. Et toi, t'es là, tu scrolls, puis tu vois la meuf que t'as datée hier, tu vois, c'est marrant. Et puis la meuf, elle balance tout sur ta vie. Micro pénis. Ok. Bon, je vais pas liker ça. Hein. Je vais... non, mais. Conversation at breakfast was deeply personal. And because he's in the mental health space, I think he wanted me to trauma dump. No, baby, you're not about to analyze my feelings. Ah oui, parce qu'il y en a, ils font des reportages carrément, quoi. Ils filment le restaurant avant, après, quoi. Waouh, là, l'enfer. Et un Vox, qui leur a consacré un article, les a appelés les Carrie Bradshaw de TikTok, en référence à l'héroïne de Sex and the City. Ah oui, bien une sûr. Série... Mais ouais, non, j'avais beaucoup de rendez-vous avec. Mais parce que moi, j'ai jamais sélectionné, moi. Moi, dès qu'une meuf me répondait, je prenais un rendez-vous. C'est comme ça. Ouais, mais moi, je pense que ça passerait si t'es un homme. Parce qu'en fait, du moment que tu mets pas de photo, tu mets pas de nom, tu racontes juste un... Tu fais juste une story life, quoi. Life, je sais pas comment ils appellent ça, mais... Parce que je suis vieux. Dans laquelle on suit les aventures amoureuses de 4 jeunes femmes à New York. TikTok permet à ces femmes de partager leurs aventures amoureuses sans complexe, comme on le ferait avec ses propres amis. Les followers se prennent même au jeu en leur donnant des conseils dans les commentaires. Ces vidéos cumulent parfois des millions... Tu sais, tu viens de passer un vieux date pourri, puis t'as un connard, t'as Thierry du 62, qui t'envoie un message et qui te dit « Ouais, bah tu devrais plutôt dire ça, tu devrais plutôt t'habiller ça, mais ta gueule ta gueule !» Non mais, moi je trouve ça fou. En fait, moi il faut que les gens ils arrêtent de... Alors, je vais dire un truc naze, mais je pense qu'il faudrait que les gens ils arrêtent de donner leur avis. Ce que je suis en train de faire, on est d'accord. Mais moi je vais pas sous les commentaires des meufs ou des gars dire hey, « Eh, tu aurais faire comme ça, mais t'es qui en fait ?» T'es qui ? De vue, ils sont découpés en épisodes. My first date in like a month. Guys, I feel really cute tonight. I'm excited to meet this guy. So he's from India. He goes to university in Buffalo. Molly Rutter, une des plus connues sur le réseau social, explique que sa démarche vise à redonner confiance. Ouais, mais à moi toutes les femmes. Je suis pas contre, je trouve ça pas mal, je trouve ça pas mal. Et puis surtout, si ça se passe très très mal, genre disparition, hein, bah au moins tu sais avec qui il était, tu vois. En fait, on devrait filmer tous nos instants de vie, donc comme ça que si un jour on est kidnappé, on sait à peu près où on est, quoi. Non mais ouais, moi je trouve ça pas mal, écoute, je trouve ça rigolo. Du moment qu'elles mettent jamais les noms, tu vois, et qu'elles mettent jamais les photos, bah je trouve ça cool. Moi je trouve ça cool. Par contre après, je pense que ça te met encore plus dans un délire où tu vas plus chercher à faire plein de rendez-vous pour faire plein de vidéos après, quoi. Tu vois, il y a cette addiction, tu vois, de faire des vidéos qui marchent, quoi. Mais voilà, je sais pas après si c'est sain. Bah ça, dis-moi en commentaire, bien sûr.